Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité du catch. Et bien sûr, comme toujours, voici donc les titres. On parlera de la saison 2 de la Lucha Underground et on terminera avec les résultats de WWE Raw. Allez, on commence maintenant avec la Lucha Underground. Vous le savez, la première saison de la Lucha Underground a été une vraie réussite. Et donc, il est temps maintenant pour la fédération de se planifier pour la seconde saison qui pour l'instant est enregistré, qui est en train de se faire enregistrer. Et donc on a forcément des rumeurs qui ont jailli par-ci par-là. Et l'une des rumeurs les plus intéressantes, c'est qu'une storyline serait basée sur l'arrivée d'Alien. En effet, l'idée serait qu'un top babyface affronte un monstre réel et ainsi par cette storyline sortir du cadre de la lutte pour réaliser des produits dérivés comme une série ou un film. D'ailleurs, en parlant de la saison 2, eh bien, on a un lutteur qui a décidé d'un petit peu de changer son personnage puisque oui, Prince Puma, que vous connaissez aussi sous le nom de Ricochet, a émis le souhait que son personnage s'adresse à la foule. Mais c'est un souhait qui t'a fait grincer des dents la Lucha Underground puisque Ricochet n'est absolument pas latino et donc ça pourrait être hors sujet sur son personnage. En parlant d'ailleurs de Prince Puma, il se dit que lui et Angelico seraient très observés par la WWE et souhaiteraient s'attacher ses services. Seul souci, les deux lutteurs ont signé pour 3 saisons dans cette fédération et donc ne peuvent partir. Maintenant, les choses pourraient évoluer. On pourrait imaginer peut-être voir Ricochet, donc Prince Puma et Angelico faire les 2 saisons consécutives et ainsi tout simplement partir à la fin de la saison 2. Bon, allez, place maintenant au résultat de WWE Raw où le show a débuté forcément avec l'autorité qui était aux anges. Après la... Parlons d'ailleurs de la stupidité de Roman Reigns. Ils ont ensuite présenté le tout nouveau champion de la WWE, Sheamus. Ce dernier vante son exploit, mais Roman le coupe pour réclamer une revanche pour le titre, demande acceptée. Soudain, Rousseff l'attaque par surprise et on apprend donc que Rousseff fera face à Roman Reigns ce soir et surtout que son match à Roman Reigns pour le titre aura lieu à TLC. Ce premier match a alors lieu et la Wyatt Family, c'est-à-dire Bray Wyatt et Luke Harper, ont battu les Dudley Boys suite à un spinning clothesline d'Harper. Après le combat, les Dudley Boys se font démolir encore plus. Le second match est un match entre Sasha Banks et Becky Lynch qui gagne par roll-up. A noter que Lynch s'est fait enquiquiner par la Team Bad, c'est alors que Paige apparaît sur le titre en tronc pour porter réclamation à la victoire de Charlotte au Survivor Series, puisque oui, le bras de Paige était dans les cordes. A noter d'ailleurs quelque chose d'important et donc ça a été accepté puisque oui, nous aurons un match pour le titre des Divas ce soir et je vous dis pas encore le résultat parce que je suis un gros méchant, il faudra être patient. Vient ensuite les New Day qui sont venus pour un Open Challenge qui n'a jamais eu lieu et donc passage à tabac sur eux. Le troisième match est entre Neville et Mark Henry. Victoire de Neville sur le Red Arrow. Les deux hommes se serrent la main ensuite sous les yeux du Miz dans les vestiaires. Le quatrième match est un match à 6, Goldust et les Primetime Players qui font face au Cosmic Wasteland et victoire de Goldust et des Primetime suite à un Clash of the Titans. Et donc, bah voilà, fond revers, nous avons donc eu droit au match pour le titre des Divas entre Paige et Charlotte. Aucun vainqueur puisque double décompte à l'extérieur, ça c'est Castagne à l'extérieur et donc après le combat, Paige a porté son petit haut sur Charlotte sur la table des commentateurs. Du côté de Ryback, il a détruit Slater et Dean Ambrose et Dolph Ziggler ont battu Tyler Breeze et Kevin Owens grâce à un Dirty Deed. Et enfin le main event, Roman Reigns contre Rusev, victoire par disqualification suite à l'intervention de King Barrett. Après le match, Sheamus qui avait été expulsé est revenu pour aider ses deux amis, mais Reigns réussit à revenir dans le match, concluant le show. D'ailleurs, en parlant de Reigns, il a ensuite, quand les caméras sont éteintes, parlé avec la foule et cela a été plutôt bien vu. Bon, en tout cas, c'est la fin donc de ce Wrestling News. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Demain, vous retrouverez Fafa qui vous parlera de... Il parlera de quoi déjà? Ah, il parlera de la CZW et de plein d'autres choses. Nous, on se retrouvera bien vendredi avec les résultats de WWE SmackDown. N'oubliez pas que le Wrestling Show, c'est ce week-end pour le débriefing. On débriefera bien sûr les Survivor Series. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. Et vous savez quoi? Ciao tout le monde!